Et j'ai essayé de jouer avec le flash sur F parce que j'aime trop mettre le flash sur F, mais là je pense que pour le stream je vais remettre le flash normal. Mais voilà, en gros du coup c'est tout ça pour dire que j'ai un nouveau compte. J'ai un nouveau compte tout prêt. Y a pas de game dessus. Donc pas d'MMR boosté ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste mon nouveau compte quoi, tranquille. Et vas-y hein. Très bon au cast, mais viens plus jamais. Parce que naturellement, tu peux pas porter une bouteille de champagne sur ton cul. Bah si tu pousses beaucoup à la salle peut-être, mais il va falloir peut-être quelques années quand même. Hein. Non, moi j'ai jamais fait de chirurgie esthétique. Vous avez vu ma gueule hein. Le chirurgien, je vous recommande pas, hein, putain. Ah, c'est la tranche de fou, hein. Non, mais oui, on en parle tout le temps. J'ai l'impression qu'on a tout le temps cette discussion, mais. Jamais eu le temps, quoi. Sur ma gueule, je crois. Oh oui! Ah, là, je me suis flashbang la gueule! Oh oui, là, je me suis flashbang la gueule! Non, mais non! Je me suis vraiment pas une meuf faite pour. Oh bien, first try comme ça, bien, t'as bien. T'as vu, Ouais, ouais. Voilà, par contre. Même moi, je me fais balayer, t'inquiète. Hein. Ah, j'ai eu un cut. T'as eu un cut ou t'es tombé? Non, je suis pas tombé. Ah. Oh, c'est vraiment un cut. Ah, je vois pas où t'es donc c'est bizarre. Mais t'es où? Loin. What the fuck? Comment t'as cheese ma meuf? Quoi? Remets la quête! Quoi? Putain, la lumière! Ouais. T'as raison. Attendez, Ponce, il va se lever. Je l'ai entendu. 3, 2, 1. Hé, Ponce, s'il te plaît, tu peux allumer la lumière? Merci, tu régales. C'est derrière tes lumières dans le chat, bien sûr. Ah, putain, aïe, il était là, je l'avais pas vu. Ah. Grenade, il en reste un. Grenade sur ma gueule, je crois. Oh oui! C'était incroyable! J'aurais dû rester au quart, mais ouais. We can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Nicolas Cage. Mais pourquoi pas? That's right. Oh là là. Il en reste un. Grenade sur ma gueule, je crois. Oh oui. Raw Fury, tiny build. Oh là là, wow. Alors, il y a quand même PlayStation qui va faire des annonces à Guerrilla Collective. Oh là là, attends, non, et les règles de Twitch là. Oh non, ma chaîne. Ça prend pas 3%. Ça prend pas 3% de l'écran. Non. Yes, and shout out to our broadcasting partners for shooting this showcase and the development. Aïe. Twitch, IGN, GameSpot, Steam and on était plutôt sur 97% de l'écran là pour être honnête. For the developers, always showing love to the devs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Décret du 2 juin 2023 portant promotion et nomination dans l'ordre national du mérite. Légifrance. Nougaré Adrien Simon-Marie, spécialiste du jeu vidéo, organisateur de compétitions d'e-sport, d'événements caritatifs, 12 ans de service. Mais pourquoi c'est mon chat qui me l'apprend? Mais c'est vrai.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais être adoubé? Qu'est-ce que j'ai gagné? Y'a du cash prize? Au grade de chevalier. Je suis chevalier, c'est... moi? Je suis quoi, moi? Non, pas Zerator. Putain, j'ai tapé Zerator. Quel geek. Putain, y'en a des beaux, là. Chevalier! Je suis chevalier! J'ai bien pex? Un petit tweet. On a un petit tweet de notre ami Monsieur Beauregard. Non! Qui dit: merci Kayane et Samuel Etienne pour avoir diffusé un bout de mon travail durant votre émission, ça fait plaisir. Oh, waouh! Ken ours! Si voilà. France Télé cherche des commentateurs sportifs, je suis actuellement freelance avec 10 ans d'expérience en web TV. Parce que Ken, il était sur. Il était sur le stream, il avait plusieurs émissions. Ouais. Et notamment maintenant, il fait une émission qui s'appelle les. Alors avant, c'était les Amis Bro, mais maintenant, c'est les Nintendo Bro. D'accord. Et qui fait ça à la maison, un peu comme nous, on le fait. Et je trouve ça très cool. Ken, donc, merci voilà. beaucoup. Moi, ouais, je, moi, je découvre du coup le métier de caster. Et j'ai vu l'énergie que tu mettais dans ça. Donc, écoute, merci de ton petit message, en tout cas. Mais en tout cas, oui. Ken, c'est vraiment une référence. Et c'est lui qui a aidé à démocratiser la scène des jeux de combat grâce à ses commentaires. Donc, Ken, je ne sais pas si tu es toujours avec nous, mais je pense que dans les prochains numéros de Sam Play, il faudra que tu viennes nous voir si tu as envie. Ça me fera très plaisir. Alors, je... Pour nous tuer, putain, merde. Il nous a fini. Allez, Fred, c'est à toi de jouer. C'est super. Putain. Ouais, c'est super. Tu l'as vu. Voilà. Bien joué, fais gaffe, il est pas tout seul. Ah, il est pas du tout. Oh là là. Fred. Panther. Oh my god. Non, attends, t'as eu les. Il en reste un. Non. Dingue. Il est vraiment tout seul là. J'ai fait un demi-tour. Un demi-tour Looney Tunes. Wow! Go again! Bravo! Donc en fait, c'est un, la Chine est un. Faut la passer à part. Okay. C'est un peu, tu vois. Bah, c'est vrai que ça donnait un peu cette même impression quand il y a eu la lettre avec les 2000 puissants, ouais, entre guillemets, qui disaient nous on stoppe. T'es en mode, bah, s'il y a un gars qui est en mode, moi je stoppe pas, les gars. Moi c'est. Ouais, c'est puis, conquête du monde de mon côté. C'est hyper hypocrite. D'autant plus que deux semaines après, Elon Musk, que je respecte en tant qu'ingénieur parce que j'ai eu la chance de l'écouter et je trouve que c'est un mec, enfin, tu vois, en présentiel, et c'est un mec qui est. C'est un vrai ingénieur. Donc j'ai beaucoup de respect pour l'ingénieur. Humainement, si tu veux, il m'insupporte. Et c'est vrai que Elon Musk, deux semaines après, il a annoncé sa nouvelle start-up en IA. J'étais là, mais mec, en fait, c'est belle signature. Mais évidemment, oui. Bon, ça arrive, voilà. Des tribunes qui sont signées sans être lues, ouais. De temps en temps. Ça... pour revenir à ton, si je peux juste deux secondes, parce que c'est vachement important que les gens comprennent le moratoire. En fait, pourquoi c'est excusez-moi bullshit. Enfin, c'est que, et on a été plein d'ingénieurs et de scientifiques à condamner ça, hein, vraiment. Hein, et je enfin, tu parlais de Tristan Harris. Moi, j'adore Timnit Gebru, qui est une